הלכה ג' ומהם חמישה דברים העושה אותם אי אפשר לו שישוב בתשובה גמורה לפי שהם עוונות שבין אדם לחברו ואינו ידע חברו שחטא לו כדי שיחזיר לו או ישאל ממנו למחול לו. נביא deux catégories de עבירות sur lesquelles on peut faire תשובה. Une première catégorie, c'est parce que la עבירה est grave. Deuxième catégorie, c'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu bloque la tshuva à l'homme. Et la troisième qu'on va voir maintenant, c'est parce que techniquement, il n'a pas le moyen de faire tshuva. Il ne sait pas à qui demander pardon pour faire tshuva. Ve'elohen amekalel et arabim. Ve'lo kilel adam yadoua kedeshish al mimeno kapara. Il maudit, chas v'shalom, un public entier. Il dit, les Marocains, c'est tous des... Et qu'Hachem leur... Comme ça, il dit. Il est énervé. Une fois, j'ai vu ça. De mes yeux. Okay. J'étais à une synagogue. Je priais dans une synagogue. Là-bas, il y avait... Ah, comme ça, il avait l'air triste. Il est prié seul dans Ezrat Nashim. Dans cette synagogue où je priais, il y avait un chacham. Mais il était très dur. Il est venu dans Ezrat Nashim auprès de la tfila. Il a commencé à lui hurler dessus. Oh, tu pries là, c'est Yahid, c'est... Et l'autre, a priori, il sortait d'une histoire de Shlom Bayit dans sa maison, catastrophe, alors il n'avait pas le moral, et il a commencé à lui verser dessus tous les paquets de colère qu'il avait de sa maison, et il a commencé à parler de sa femme. Quel rapport dans sa femme? T'es un Marocain, et toutes les Marocaines sont comme ça, et ma femme comme ça, et il a commencé à crier, à maudire tous les Marocains. Scan celui-là, il peut pas faire tchouma. Pourquoi? Tu peux aller demander pardon à tous les Marocains du monde? Non? Alors, techniquement parlant, c'est un problème. Pareil dans le din de la Shanara, il fait du la Shanara sur tout un tzibour. Comment tu peux demander le Mechila? Si c'est un tzibour yadoua, précis, il maudit un groupe de personnes précis. Alors il va les voir, un par un, ou tous ensemble, et il demande Mechila. Et là, il a maudit un peuple. Comment tu peux demander Mechila à tout le monde? Deuxième chose. Acholek aim haganav. Les filles, chez Eno Yodea Gnevazu, chez le Mihi. Et là, haganav, gonev la rabim, ou mevi lo, vehu lo kear. Deuxième. Chose grave qui est assez fréquente aujourd'hui, c'est partager avec un voleur. Le voleur est parti, il a fait son vol, d'une façon ou d'une autre, et l'autre partage avec lui. Ils sont associés dans une société de comme ça, comme ça, de comme ça. C'est du vol, c'est des voleurs. Maintenant, l'associé, même s'il ne travaille pas, il partage l'argent du vol. Impossible de faire tshuva dessus. Pourquoi? Il ne sait pas à qui le rendre. Le voleur encore, peut-être qu'il peut savoir. Celui qui partage avec le voleur, il ne sait pas à qui le voleur a volé. Alors, il s'empêche lui-même de faire tshuva puisqu'il ne peut pas rendre le vol, il ne sait pas à qui rendre. Deuxième avéra, il dit le Rambam ici, c'est qu'il entretient... la volonté du voleur de voler. Si le voleur il trouve personne à qui vendre, avec qui partager, avec qui être associé, alors il va s'arrêter. Avec quelqu'un qui achète d'un voleur, c'est un problème. C'est un problème d'acheter des gens qui vendent dans la rue des affaires comme ça, etc. D'où ça sort? Tu vends comme ça à moitié prix des affaires pareilles? D'où ça sort ça? Ils ouvrent la veste comme ça, il y en a, ils ouvrent la veste comme ça. En France, il y avait ça, non? Il y a encore ça. Hein? Ils ouvrent la veste comme ça, ça, tu vois une collette. Ma collette, un supermarché là. Et là-bas, là, t'as un centre commercial. De l'autre côté. D'où il a sorti tout ça, celui-là? Il a fait un tour dans les magasins. Ça a sonné lui acheter. D'après la halakha, c'est mouta. Après, si c'est pas un juif, c'est un goy, c'est mouta lui acheter d'après la halakhot de profit de vol. C'est mouta. Seulement, il y a un autre problème quand tu lui achètes. Si tu lui achètes, bah, tu l'entraînes à continuer à voler. C'est un problème. Va motse
Aveda kol shekhen, si c'est un juif, Baruch, si c'est un juif qui vole tout ce qu'il vole, et il ne vend pas cher, khas v'shalom, c'est un issur gamour de lui acheter une chose qu'il a volée. C'est un saut. Troisième, Vamotse Aveda veno machiz alea tchahzir le baalea la charzman chasse tchouba eno yoda le mihzir. Il trouve une Aveda, un objet, une perte, un portefeuille. Il doit chercher les simanim qu'il y a dans ce portefeuille, les signes à qui ça appartient et annoncer qu'il a trouvé tel et tel objet. Il l'a pas fait, il a traîné. Après un certain temps, il pourra plus annoncer. Pourquoi ? Les gens, ils ont oublié, ils vont plus faire le rapport entre l'annonce et leur objet, etc. Et donc, il pourra plus faire tchouba parce qu'il pourra plus rendre la Aveda, l'objet qu'il a trouvé. Alors, moi, c'est une communauté, vous avez déjà parlé plusieurs fois, vous savez, malheureusement sur son téléphone et tout, bref. Et une communauté où c'est sûr que voilà, il y a des donateurs, entre guillemets, des donateurs, ils donnent de cet argent-là. Ouais. Alors, on va faire parler une communauté comme ça. Fréquenter un endroit. Donc la communauté, le rav, il est bien, et tout va bien, on a le droit. Il y a des cours de Torah, ça ne parle pas pendant la tefila, ils font des bonnes actions autour d'eux. Il y a une bonne communauté, qui est bien entretenue, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Après, c'est leur problème à eux, de quel argent ils profitent, c'est leur problème. Mais au final, ils ont le propriétaire de l'objet de Rav Yehouch, ils n'auront pas le droit. Oui, mais la fin d'interne, bien sûr. Parce que cet objet-là, il est venu bégaze dans sa main. Il devait faire un Shabbat Aveda au moment où il l'a trouvé. Et donc cet objet-là, il reste avec le statut où il aurait dû faire un Shabbat Aveda. Et il n'a pas fait. Dalet. Ve'ha'ochel shor aniyim ve'yetomim ve'almanot. Il profite des biens des yetomim ve'almanot, des orphelins et des veuves. Ça c'est Elo ben Adam ou Mlalim Hem, c'est des gens qui sont miskelim, des pauvres. Pauvres, pas d'afka dans l'argent, pauvres dans leur matzavroir, dans leur humeur, dans leur joie de vivre. Venam Yedorim ou Mfursamim Vegolim Meir Leir, Venlaim Makir, c'est des gens qu'en général on ne les connaît pas. Aujourd'hui c'est mieux, Baruch HaShem, la situation. À l'époque, celui qui est Atom, celui qui est Almana, ils étaient jetés. Personne ne faisait cadeau, ils faisaient même pas partie de la communauté, rien du tout, parce qu'ils habitaient seuls. Donc ils partaient d'une ville à l'autre, etc. Et ça faisait en sorte qu'on ne peut plus leur rendre ce qu'on a pris d'eux. Va mekabel shohad la to din. Ça, on parle du Dayan, le Dayan qui prend de la corruption pour juger en faveur de l'un plus que de l'autre. Alors ça, c'est une avéra sur laquelle il ne peut pas faire. C'est une avéra très grave. Déjà, elle avait en soi. Et le problème, elle est encore plus grave parce qu'il ne peut même pas faire tchouva. Pourquoi ? Regardez comment c'est difficile. Là, tu me dis, mais il connaît l'accuseur et l'accusé. Oui, l'autre, il est venu, il lui a dit, voilà, tenez tant, hein, s'arrange, hein, s'arrange, pas de problème, s'arrange. Il vient, hein, Zakaï. L'autre est coupable. Top ! Bah, il peut faire tchouva. Il peut les rattraper les deux. Il ne peut pas faire tchouva sur ça. Pourquoi ? Il ne sait pas combien est le niveau de corruption. Il devait juger 50-50. Il a été corrompu. Il a jugé en faveur de l'un plus que de l'autre. Combien plus ? Tu sais remettre la juste valeur ? Tu sais pas. Tu sais refaire un vrai jugement ? Tu peux pas. Il peut quoi ? Il peut rendre l'argent deux. Mais le jugement, il n'est pas fait. Quand je beaucoup, il a demandé de faire le jugement. Le jugement n'est pas fait. Donc il ne peut pas faire tchouva. C'est pas un problème de Gezel. Aussi. Alors, Gezel, il répare, comme tu dis, il peut donner de l'argent, et voilà, il a réparé le Gezel. Ah ben, le jugement, il n'a pas été fait. Il ne pourra pas être fait. C'est vieux. Quand les faits sont vieux, c'est plus la même chose. En général, il n'y a plus l'épreuve, il n'y a plus ci, il n'y a plus ça. Il n'y a plus les témoins qui vont venir témoigner. Alachad dalet. Umehen. Hamisha devarim aroseotan en hezkato lashuv mehem. Une autre catégorie de 5 averot, que celui qui les fait, en général, par rapport à la avéral même,
de lui-même, il sera pas, il n'en viendra pas faire tchouva. Pas qu'on l'empêche, pas qu'il y a un élément technique qui fait qu'il pourra pas. Non, de lui-même, un homme, il s'éveillera pas à la tchouva dans ces fautes-là, parce que c'est des fautes qui sont pas aux yeux des gens considérés comme des fautes. Les filles shehem dvarim kalim b'ene rova adam b'nimtza chote v'idme shen zahed. Ils sont pas que c'est une faute. Première chose, ha'ochel miseruda she'ena maspeket le ba'aleha. Sheze avak gezelou. C'est fréquent, très fréquent. Ils mangent d'une seuda, d'un biscuit, d'une cigarette ou quoi, qui ne suffit pas pour son propriétaire. Ça veut dire quelqu'un, il a une seuda, il a acheté des gâteaux, il a des gâteaux, il veut manger 5 gâteaux. Il s'est acheté chez Angel 5 gâteaux. Et il s'assoit, et il y a son paquet de gâteaux, et tout d'un coup son ami il arrive, il le voit manger, et l'autre il commence à lui parler, blata, pourquoi tu lui parles maintenant? Parle pas maintenant, tu vois qu'il est en train de manger, laisse-le manger tranquillement, fais comme si tu l'as pas vu. Non, et maintenant il va lui parler. Il lui parle, l'autre il est gêné, qu'est-ce qu'il va faire? On va lui proposer un gâteau. Tiens, prends, tu veux, prends. L'autre lui dit avec plaisir. Et il prend. Il transgresse un interdit de vol. Pourquoi? Il ne veut pas te donner. Il ne veut pas te donner. Et même s'il veut parce qu'il a un bon cœur, il est gentil, c'est vraiment quelqu'un de bien, mais il a faim. Vous comprenez, ça va plus loin. C'est pas. S'il ne veut pas, c'est évident. Okay? Comme par exemple, ils prennent une cigarette, ils prennent un truc. T'as une cigarette. Il ne veut pas te donner une cigarette. Ça coûte cher une cigarette. Il ne veut pas te la donner. En France, en Israël, ça coûte cher. En France, ça coûte moins cher. En Israël, ça coûte cher. Et tu lui demandes, et il te la donne parce qu'il n'a pas, il n'a pas envie de te dire non. Il a honte. Il te la donne. C'est du gazelle, ça c'est du gazelle gamour. Ça c'est du vol à 100%. Pareil dans le gâteau. S'il n'a pas envie de le donner, il te le donne, c'est du vol ça. C'est pas ça le Rambam. Le Rambam, c'est plus que ça. C'est qu'il veut te donner. Il a un bon cœur. Il te donne avec plaisir. Prends. Mais tu lui enlèves de son appétit, de sa, il reste pas rassasié. Même s'il te donne de tout son cœur. Ça, jamais j'ai dit cette explication. Il te donne de tout son cœur. Tu lui prends de sa seuda. Tu lui prends de sa seuda, c'est avak gezel. C'est pour ça que le Rambam dit avak gezel. Là, il dit gezel gamour. C'est du gezel, pourquoi avec gezel? Il veut pas te donner, il te donne parce qu'il a honte. C'est du vol ça? Bien sûr c'est du vol. Non. Même s'il te donne de tout son cœur, mais tu lui as volé une partie de sa seuda. Ah, c'est interdit. S'il lui propose, c'est Mirchol. Pardon? S'il lui propose un gâteau, c'est Mirchol. À nous de dire non. Mirchol. C'est pas Mirchol, si tu dis non, il n'y a pas de Mirchol. Je te propose un gâteau. Non, merci, j'ai pas faim. Même si t'as la salive qui coule, tu vois le truc, cette salive, faut pas l'avaler d'ailleurs. Elle est masique à la santé. Tu vois un objet, un aliment très très bon chez un autre, tu vois un gâteau, la crème comme ça, il y a de la salive qui sort de ça. J'ai pas dit qu'elle sort de la bouche. Dans la bouche, elle sort. Cette salive-là, faut pas l'avaler. Faut prendre un mouchoir et la cracher. Pourquoi? Elle va nuire à la santé. Cette salive, elle est pleine de tava. Même s'il va l'avaler, ça peut lui nuire à sa santé, donc il faut l'enlever. Donner une cigarette, c'est un problème, bien sûr. Donner une cigarette, c'est un problème. Voilà. Donc on était dans la première avéra. Il sent pas que c'est une faute. Je vais pas voler personne. C'est lui qui m'a proposé. Il m'a proposé, j'ai mangé, j'ai fait une avera. Hein, il m'a proposé un gâteau. J'ai mangé, j'ai fait la bracha, j'ai fait une avera. Oui, t'as fait une avera. Alors, puisqu'un homme, il n'est pas conscient que c'est une avera, alors c'est difficile pour lui de faire tchouva. C'est pareil avec les parents. Comment? Mon enfant, il vient, il voit sa mère en train de manger. Il demande de manger, elle aussi, elle a la faim ou pas. Bien sûr que c'est pareil. Bah, elle a faim, qu'est-ce que tu veux chez elle? Non, mais ils ont un digne de nous donner. Ils ont un digne de nous donner. Ouh là là, attends, on va ouvrir une parenthèse. Ils ont un digne de nous donner. Ils doivent lui donner un
Les parents ne nous doivent rien du tout. Strictement rien. Zéro. 0,00000 euros, ni en argent, ni en manger, ni en dodo, ni en rien. Les parents ne nous doivent rien. Un parent doit nourrir son fils Midera Banane jusqu'à l'âge de 6 ans. Après 6 ans, il peut aller travailler. Il prend les seaux d'eau, il va remplir du musée. Il va... Les parents ne nous doivent rien. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Les enfants ont grandi avec... Tu me dois, deux mois. Et les parents, ils savent pas qu'ils leur doivent rien. Alors ils disent, oui, mais j'ai pas... Mais d'accord, je vais donner. On dirait que c'est un braquage. C'est un braquage. Bah, les enfants, aujourd'hui, ils braquent leurs parents. C'est pour ça qu'après, ça devient n'importe quoi. N'importe quoi. Et les parents, ils rentrent dans des situations catastrophiques à cause de ça. Les parents ne doivent rien aux enfants. C'est pour ça que je te réponds que, bien sûr, sa maman, elle a acheté un petit à manger. Oh, maman, j'ai faim. Tiens, mon fils prend la moitié. Elle reste avec la faim, elle. Il est maboule, celui-là. Il est renversé sur deux, il sourit, celui-là. Gam, Gazel, qu'on vient de dire maintenant, et Gam, qui bout d'affaire. Non, c'est la fin, laisse-la manger. C'est toi qui dois lui amener à manger. Ils sont mochalim, les parents, non? Hein? Alors j'ai dit, même s'ils sont mochalim, mais tu lui prends son repas. Ouais, mais c'est une sorte que eux, je peux faire tchouba alors que les autres pas. Bon, ça dépend. Alors, si vraiment la maman, elle veut et c'est son plaisir, etc., etc., dans ce cas-là, c'est pas interdit. Là, il n'y a pas de problème dans ce cas-là. Oui, il y a des sortes de mamans, Il y a des sortes de faim aussi, Maintenant, la faim, elle te dit, j'ai faim. Bon, bah tiens, un morceau. Tu vois qu'elle te donne pas de tout son cœur. Je viens de manger. Tu sors de table. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Zébaria, même si c'est sa mère. Mais il y a d'autres moments, d'autres mamans, qu'elles donnent de tout leur cœur, toute leur vie, c'est leurs enfants, etc., etc. Dans ce cas-là, bébé, tu n'aurais pas de problème. Mais pas qu'ils nous doivent, comme tu as dit. Ils nous doivent rien du tout. Si j'ai des petits-enfants de 3 ans qui viennent me demander, enfin, je ne sais pas, ma soeur, pour un truc, elle vient direct me prendre. C'est comme si je lui donnais à manger quelque chose de volé. Hein. Non, elle a pas de mitzvot, elle. Elle est petite. Elle lui donner à manger quelque chose de... Elle est ktana. Ça s'appelle pas du vol. Il pas de vol, celui-là. Tu peux lui dire non. T'as une question? Deuxième issou. Hamishtamesh be'avoto shel ani. She'avot shel ani eno ela kegon kordom machisha ve'yomar bilibo enan chaserim v'ari lo gazalti oto. Ça, si c'est pas... Si ça peut être fréquent. Mais ça qui est écrit ici, il n'est pas fréquent. Un pauvre emprunte de l'argent. Pour emprunter de l'argent, il dépose un gage. Et le prêteur utilise le gage du pauvre. Il ne lui manque rien, comme c'est un marteau, par exemple, ou un tournevis. Et là, il va prendre le tournevis, il va l'utiliser, il va serrer avec. Il va se dire quoi? J'ai d'abord le tournevis l'abîmé. Non, je l'ai usé, non. En plus, le pauvre, je lui ai prêté de l'argent. La personne, je lui ai prêté de l'argent. Le tournevis, il est là, attends, je vais l'utiliser une seconde. Il ne voit pas, il ne considère pas ça comme étant une faute. Pareil, un stylo sur la table. Tu l'as écrit quelque chose, tu es au téléphone. Bon, alors, tu notes un numéro tout de suite. Je n'ai pas de stylo, il manque un stylo sur la table. Tiens, un stylo, une seconde. Note un numéro, il repose le stylo sur la table. C'est gazelle de Raïta. Il sourd d'amour de faire ça. Comment tu utilises un objet qui n'est pas le tien? Non, peut-être c'est un gmar, peut-être c'est un truc. Peut-être. Je sais pas si c'est un gmar ou pas. C'est un sourd. C'est un sourd de Raïta d'utiliser l'objet de quelqu'un sans sa permission. Souvent ça arrive qu'on me prête un objet et que quelqu'un d'autre me demande de l'utiliser. Ça aussi, c'est un sourd d'amour. Ça c'est fréquent par contre. Ça, c'est chômeur, j'ai ma salle et chômeur. Chômeur, c'est chez ma salle et chômeur, chayav. S'il arrive quelque chose à cet objet-là, le chômeur, il est chayav, le premier, pas le deuxième. Le premier, il est chayav. Pourquoi? C'est un isso de prêter un objet qu'on t'a prêté. Isso d'amour. Et les gens, pour eux, ils ne considèrent pas ça comme étant un isso. Il m'a prêté le stylo, je lui prête le stylo. Il m'a prêté un appareil photo, il m'a prêté ça. Bah, je lui prête, il prend une photo, il prend. Je prête une seconde, il m'a prêté, je prête. S'il m'a prêté à moi, il va prêter à lui aussi. Non. Tu dois voir.
l'autorisation, mais forage, de le prêter. Dans le cas où maintenant je sais qu'il va, mon copain, il va vouloir. Je sais qu'il va choisir, je vois les stylos pas. Mahloket. C'est une sœur qui avait Adam la Ravero ou Adam la Lanko de... Tout Issour Ben Adam Ravero, c'est Ben Adam la Lanko. Non, mais que Ben Adam la Ravero. Ça n'existe pas. Tout Issour Ben Adam la Ravero et aussi Ben Adam la Lanko. Non, je sais, mais est-ce qu'il y a aussi Ben Adam la Ravero dedans ou pas? Bien sûr. Comment je lui rends la perte? Comment je lui rends la perte? Rien. Je demande pardon. Comme quand j'ai blessé quelqu'un, c'est Ben Adam Ravero. Blessé avec la parole. Comment je lui rends? Comment je le paye? Il y a un Nézé, quand j'utilisais le tournevis, il n'a pas de Nézé. Alors je demande Mérida. Dans le cas du marteau, c'est pas Zénéné, les Zélochasser, ça? Zénéné. Je vais pas l'abîmer. Les Zélochasser, il faut le reshoot. Hein? Il faut le reshoot dans Zénéné, les Zélochasser. Ah bon? Vadaï? T'as pas le droit d'utiliser sans reshoot. Parce que tu parles, c'est dans une dira. Et Zénéné, les Zélochasser, c'est juste dit concernant le fait qu'il ne doit pas rembourser. Pas pour dire que les khatri là c'est moutin. Comme par exemple, quelqu'un il a une maison de vacances. Il n'habite pas dans sa maison. Et il la loue pas non plus. Pendant l'année. Et il vient en hiver, il rentre par la fenêtre. Et il habite là-bas un mois et demi. Tranquille. Il n'a pas abîmé les murs, il n'a pas utilisé les objets. Il habitait là-bas. Il avait des lits, il a dormi sur les lits. Un mois et demi, il habitait là-bas. Quand il arrive pour voir sa maison, ah, il... Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il y a? Ken, j'ai vu la maison vide, j'ai habité. Ma, Ken, tu payes. Donc tu payes un mois de loyer. T'habitais combien? Un mois et demi, deux mois? Tu payes deux mois de loyer. Il dit, Zénéné, vous allez faire ça. Non, t'as rien perdu, je te paye. Ça a été dit. Donc il doit pas lui payer son loyer s'il habitait là-bas. Encore une fois, c'est une maison qui n'est pas allouée. C'est une maison à louer, alors il a profité de la location. Mais si c'est pas une maison à louer, il a habité là-bas, il n'a rien payé. Et c'est moutard de faire ça. Non. Et donc, non. Tu aussi. C'est assourd. Zénéné Khasser, c'est juste l'ignan mamon. C'est pas l'ignan issour, c'est assourd de faire ça. Comment tu rentres dans sa maison sans autorisation? C'est assourd, juste. Puisque l'autre, il a rien perdu, alors tu dois payer. Non. C'est pas mes agaires, là, je le mets maintenant, je pense un verre pour donner. Pour faire une mitzvah, utilise l'objet de quelqu'un pour faire une mitzvah. Comme mettre les tefilines de quelqu'un sans qu'il sache. Okay? Les tefilines, le talit, l'utiliser de quelqu'un sans qu'il sache. Okay? Ah, ça, c'est Nihalel Adam et Liavid Inish Mitzvah Bemamone. L'homme, ça l'arrange, ça ne le dérange pas, au contraire, ça l'arrange qu'on fasse des mitzvahs avec son argent. Ça c'est dit que dans un cas où. Il est pas, tu sais pas qu'il est makpide. Aujourd'hui, les tefilines, c'est assourd de faire ça. Pourquoi? Aujourd'hui, les gens sont makpidim. Makpidim? Poitiers. Ils veulent pas qu'on utilise leur tefilines. Ils veulent pas. Okay. Talit, c'est mouta. Ah, tu prends le talit de quelqu'un, ça va, c'est pas... Okay. Aval, tefilines, ils veulent pas. À l'époque de l'Agmara, c'était l'inverse. Tefilines, ils veulent, talit, ils veulent pas. C'est comme ça. Tu veux pas mon vêtement, tu vas me salir. Aujourd'hui, tout dépend de la génération, tout dépend de la tfissa des gens. Si tu sais que l'homme, il n'est pas makpid sur cet objet, tu vas l'utiliser pour une mitzvah. Mais sinon, c'est makpidim les gens. Attention, ça c'est pas si ça tu perds de l'objet. Un stylo, c'est assourd. Même si ce que tu veux écrire, c'est une mitzvah. Tu écris un ridouche, attends là maintenant, ce ridouche, tu l'écris pas tout de suite, tu perds. Prends un stylo, écris. Je fais une mitzvah avec son stylo. Bah, ça sourd. Pourquoi? Tu manques de l'encre. Tu fais perdre de l'encre. J'ai une mitzvah à faire là, il y a pidien, je vois mes aides, je rentre dans la chambre de l'autre, je lui prends son portefeuille. Mitzvah! Je vais faire une mitzvah maintenant. Il y a un pauvre, il y a une almana, il y a un truc. Il faut maintenant 100 dollars. Mouta. Mitzvah, tu lui prends son argent pour faire une mitzvah. C'est un sourd. Quelle différence avec le stylo? Aucune. Qui vole un œuf, vole un bœuf. C'est pareil. Et chez nous, on dit din pruta, que din mea. C'est la même chose. Tu peux pas. C'est un son de tout ce qu'on a dit, faire une mitzvah avec ses biens, c'est si seulement tu perds pas de la valeur de l'objet. Comme un marteau, un tournevis, utiliser un verre, comme tu as dit. Un verre. J'utilise un verre, je fais une mitzvah.
tu sais qu'il n'est pas makpid. Au contraire, il serait content que tu fasses une mitzvah avec ce verre-là, parce que là, c'est permis. Si c'est un jeteur. Alors, c'est interdit. Ah, parce qu'il y a le chute au vestibule. Ben, Ken, et le portefeuille, voilà. Un sidour, les gens, ça m'a pédé. Ça m'a pédé, quoi, les sidour, je sais pas. Les livres, aujourd'hui, c'est un problème, pas que sidour. Les livres, en général, c'est un problème, tu peux pas utiliser le livre de quelqu'un pour étudier. Seulement s'il y a écrit dans le livre « Mitzvah d'utiliser, vous pouvez utiliser », vous savez, il y a des livres où il y a écrit « Attention, avec une tête de mort, celui qui touche le livre, il déplace, etc. Il leur surpasse, il met coule là, il surpasse le feu, il va brûler. » Ils te font une azara quand c'est une page, il y a des livres comme ça. Une page, ils te font comme ça, c'est pratique, gezel, tata. T'as d'autres tzadikim, tu ouvres le livre, « Mitzvah l'ishtamesh !»« Mitzvah, prends le livre !» S'il n'y a rien écrit dans le livre, tu sais qu'il appartient à quelqu'un, il y a un nom, ça sauve d'utiliser les livres. Ça sauve, bien que c'est un livre de Torah, ça sauve. Pourquoi aujourd'hui on est makpidim de garder les livres en bon état? Si il y a un cas, il y avait une piscine qui appartient à un hôtel et une personne l'a utilisé sans leur permission, est-ce que c'est mouta, ça que tu demandes? Après, ouais, est-ce que c'est ils doivent payer, si c'est payé à l'entrée. Si c'est un hôtel, que pour les gens de l'hôtel c'est gratuit, et pour l'extérieur c'est payant. C'est du gazelle d'amour, il doit payer l'hôtel, ça, c'est évident. C'est comme quelqu'un qui va rentrer dans une piscine payante, municipale, je sais pas, par la barrière. Oui, c'est un histoire d'amour ça. Il doit peut-être qu'il doit payer. Maintenant, si c'est une piscine qui est que de l'hôtel, et pas ouverte au public, il n'y a rien à payer. Okay, peut-être qu'il doit aller voir l'hôtel, et dire j'ai utilisé la piscine, après qu'il a utilisé, voilà, j'ai fait un interdit, est-ce que vous me pardonnez, ou est-ce que je dois payer, est-ce que je dois leur proposer. Ça sort de faire ça. Ça dès que ça sort de rentrer dans un hôtel, ils permettent l'hôtel si tu demandes au gardien. Voilà, j'habite là, dans la rue, là, Ken, je vais pas vous passer mes vacances, je peux venir à la piscine? Qu'est-ce qu'il va te dire? Non. Alors, comment tu rentres? C'est un saut. Il y a des piscines d'hôtels ou d'immeubles où ceux qui habitent dans l'immeuble ou dans l'hôtel, ils ont droit d'inviter des gens. Ça c'est permis. Okay. Si tu es invité par quelqu'un, ou même si cette personne-là, elle te permet de venir parce que lui, il utilise l'hôtel, alors ça c'est permis. Donc on a dit « Amishtamej v'arvoto shel ani, shel aravot shel ani, eno ela kegon kordom, machishav emar bilibbo, en chaserim, v'are lo gazalti oto. » Qu'est-ce qu'on fait? Oh, ça t'en a de toi. Okay. Ce qui est dit, un cas donné, si on faisait la toilette, il est dans un magasin. Mais lui, il lui permet que parce que c'est... Il n'a pas envie, il ne veut pas qu'on utilise les toilettes du magasin. Que au client? Il faut demander. Non, je sais que vous demandez, mais est-ce qu'il faut rembourser dans ce cas-là, ou il faut donner quelque... Bien sûr, il y a des endroits où les toilettes, c'est écrit que c'est payant. Si c'est pas le... T'as des restaurants, des choses comme ça, il y a écrit que pour les clients du magasin, celui qui n'est pas client, il faut qu'il paye. 1 euro, des choses comme ça. Ouais. Bah, tu utilises l'eau, le papier, c'est du gain, ça. Voilà. Mais si, il n'y a rien marqué. Il n'y a rien marqué, mais tu rentres dans un endroit privé. Okay. Tu rentres chez quelqu'un, chez un voisin, il n'y a rien marqué sur sa porte, écrit « famille Intel », tu rentres, il n'y a rien marqué. Tu sais. Non, le frigo, rien marqué. Il n'y a rien marqué, mais il y a une logique. Okay. Tu rentres chez quelqu'un, c'est lui qui paye les toilettes, c'est lui qui paye tout, ce n'est pas toi le public. Hamistakel ba'arayot, celui qui regarde, Hasbe Shalom, Arayot, des choses interdites à voir. Alors ça aussi c'est difficile. Donc celui d'avant, c'est difficile de faire tchouva parce qu'il n'est pas conscient qu'il a fait un iso. Il a utilisé un stylo, c'est un iso. Je me rappelle, les gens, ils venaient à la yeshiva, des gens qui venaient, ou des nouveaux, etc. Et quand on était bachourim, mais il y a un bachour, il vient, il dit t'as un stylo, il y a un stylo sur la... Non, c'est un source de gazelle. L'autre il regarde, il dit gazelle, il se fout ici ou quoi? Ma gazelle, ou que gazelle, tu prends un stylo une seconde. Ils pensent même pas, les gens, que ça peut-être interdit. C'est les gens, pour eux, c'est aucun problème, ça va, je prends son truc une seconde.
C'est un sourd. Il n'y a pas un djinn comme quoi moi je suis mochel, je veux lui prêter mon sio. Si alors ce qu'il a demandé Shimon, il y a des cas comme tu dis, où c'est mon ami, il n'y a pas de problème, hein. Même si c'est pas un ami, bon monsieur, je non, non, c'est pas ton ami, pourquoi tu te permets, bah, dis-toi. Pourquoi tu touches à mes affaires? Et alors c'est un stylo. Ils sont pas mal pédibles, les gens. Hein? Les gens ça dépend, ça dépend quel stylo. Ça dépend, stylo à plume Mont Blanc, plume en or. Non, c'est un petit stylo normal. Ah, un petit stylo normal, peut-être, ça dépend. Peut-être oui, peut-être non. Tiens, tu sais pas. Ce n'est pas MacPidi, mais tu utilises l'encre de son stylo. Peut-être qu'il est MacPidi, peut-être que c'est le stylo de son grand-père. Mais là-bas, c'est son stylo que... Je sais, moi, c'est le stylo magique et de... Et avec ça, il signe ses contrats et... Ah, il l'a aidé, Arma. Tiens, ça saut, et qu'il saut. T'as pas, Radona, il est en lame. Amen, ve amen. Fila, tmincha.